Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. N'a pas des informations avec dossier insécurité. Commissaire gouvernement juridiction ville Gonaïves-Lan, Maître Sérard Gazéris, ensemble avec la police, mène une opération dans le commencement du week-end passé à la ville Gonaïves, côté yon arrêté Jacques Aubert Guillaume, alias Djeko, pour implication comme présumé dans un kidnapping qui était fait sous pasteur dans Asifa, dans la ville Gonaïves. Il était participé tout comme présumé dans un kidnapping qui était fait sous Litana. Arrestation ça a fait dans rue Égalité dans ville Gonaïves. La police t'a saisi deux âmes la Kaili dans perquisition. Commissaire gouvernement ville Gonaïves là Maître Sérard Gazéris a fait connait Jacques Robert Guillaume fait partie de groupe gang Riel Fleurissant. Nous allons vite autant des déclarations commissaire gouvernement ville Gonaïves là Maître Sérard Gazéris. La justice, la police nous pas carrés, nous pas chômés. Pour que nous pas chômés, nous toujours à travail. Peut-être nous pas aller dans sens une série de monde, mais la justice, la police nous pas chômés dans travail. Nous songer premier kidnapping ville là te connaît, nous toujours à travail sur lui. Nous songeons deuxième kidnapping, c'était un pasteur qui a kidnappé dans Riel Asifa, n'a travail sur lui. Nous pas chômés, c'est ainsi que nous continuons à chercher monde qui impliqué dans kidnapping ça. Maintenant, nous arrêtons un certain de Jacques Robert Guillaume, alias Djeko, chez mon petit blanc tout. Nous arrêtons monsieur. Monsieur, c'est un homme qui a participé activement dans le cas de kidnapping qui fait derrière. Et nous avons l'autre arrêté encore, son certain de Robinson, qui est en prison actuellement là. C'est lui-même qui a veillé petite dame. Ça veut dire nous-mêmes, nous pas chômés, nous continuons à chercher, nous avons des informations, nous avons traité et nous avons avancé, nous avons arrivé à petit pas sur tout le monde nous pour nous arriver qui participait dans la question de kidnapping qui a fait dans la ville là. Parce que ça, c'est un crime. Et au connaît depuis que le kidnapping qui a fait, il décapitalise la population. Parce que là, au kidnappe au monde, vous obligez à prêter quoi, qui n'ont pas même espéré gagner pour aller pour aller. Et qui j'en va faire remettre, parfois, nous avons vendu toute sale gain malgré ça, il n'y a pas qu'à finir payer. Question kidnapping, non, il décapitalise société, hein, décapitalise population, hein, nous par rapport à la légende, nous travaillons sur lui. Ça veut dire toujours est-il dans quatre kidnappings qui étaient faits sur Gonaïves, nous avons arrêté deux, nous gagnons là, nous gagnons Robinson, c'est lui qui a veillé cette dame. Là, on a kidnappé là, monsieur en bas code, là, pour répondre à une question qu'on a. Nous gagnons Jacques Robert, alias Djeko, monsieur a répondu à une question aussi. Tout le monde a participé activement dans le cas de kidnapping qui fait dans la ville là. Et si vous regardez, Djeko, nous jouons ZAM, la Kali. Et il commence à parler avec nous. Il commence à faire d'autres révélations que nous n'avons pas dit là. N'a pas avancé, il collabore très bien. Nous pensons que dans le jour où il vient, il y a l'autre nègre encore qui a pas encore. Commissaire, nous constatons que le réseau Riel Fleurissant est un pile garçon là-dedans. Bon, pas oublier, c'est la majorité n'a pas nègre de l'autre. Et c'est parfois ça qui est la plus difficile. C'est plus fort que le nègre Fleurissant même qui a arrangé encore gang pour troubler la paix publique, pour perturber la population. Mais n'a privé parce que chaque s'en arrêté, yo mettez nous sous des pistes, yo aidez nous comprendre bah la fonctionnement et puis bien et puis me penser n'a pas avancé, n'a dit population continuer collaborer avec nous parce que c'est grâce à collaboration qui permet n'a privé sur yo. Avec dit nous dit population continuer aider nous continuer collaborer avec nous pour que yo même yo capable vivre en paix parce que me toujours dit la question de sécurité elle ne revient pas seulement au commissaire du gouvernement, à la police. La question de sécurité elle concerne nous tous. Et nous tous pour qui mettez main pour que nous joignions la paix à chercher. Et nous-mêmes, nous travaillons pour nous aider la paix à retourner tout bon à Gonaïves. Est-ce que c'est la même ramification avec M. Toussabio? Oui, c'est la même gang là qui a fonctionné. Nous gagnons la fois dernière, on a Tilio Mouri, Tilio Michel. Nous t'ai arrêté, c'est dans même bagaille kidnapping qui t'ai fait dans Riel Fleurissant en bas. Monsieur t'ai venu sauver dans garde à vue côté dans commissariat. Malheureusement la fois dernière, monsieur a fait un braquage en haut
et puis population a tué monsieur et sous garde ou t'as quoi zam dans même monsieur zam nous joindre dans métier il y aura son maison de transfert qui dans réel Ferrissien monsieur t'est cassé il était tout point zam nèg là et puis c'est même ay zam ça là l'opérer c'est pour montrer nous c'est rat kay k'ap manger paikay ça veut dire c'est pas moun qui saute trop loin c'est moun la ville là qui organise pour perturber fonctionnement moun dans ville là et ben nous même n'a privé nous soutenons les déclarations commissaire gouvernement ville de Gonaïves là Metsera Gazius. La justice dans la ville au Caire a libéré trois femmes parmi une vingtaine qui étaient fermées dans la prison civile dimanche 30 mai passé dans le cadre d'une audience spéciale pour fête maman. Plus de détails à correspondante Rose Betta Denistan, depuis le département sud pays. Dans le cadre d'une audience correctionnelle spéciale, la justice dans le Caire a libéré trois prisonniers femmes journée samedi 29 mai 2021. Chef paquet Okaila Metronal Richmond fait connaître yo rivé tande yon quinzaine femmes détenues dans cadre d'audience ça qui visait dégorger prison civile Okaila pendant la fait connaître pral fait suivi sur l'autre dossier ça yo pour mesdames yo capable juger pas trop longtemps et comme wè là doyen te désigné magistrat Josmat qui là Josmat qui là ça va avec nous et nous tande plus que yon quinzaine de femmes et que trois là dans qui libéré parce qu'après rentrer la caillou pour aller petit tu capable fêter ensemble petit tu donc mouvement ça fait dans objectif pour désengorger prison qu'on est détention préventive dans la ferrage à travers tout pays au cas pas épanoui donc maintenant je dis c'est dans objectif ça qui fait que nous fait audience spéciale ça dans prison civile au cas on visé des mineurs yo parce que gagne qui cabinet d'instruction donc nous prenons yo infraction faire pour faire suivi pour yo avant trois mois pour que moun sa yo pour soit pour ça pour juger ça pour laguer pour laguer parce que actuellement nous gagnons une quantité de 20 femmes qui sont en prison et parce que dans jusqu'à venir là ça pour juger ça condamné ça pour laguer mesdames sa yo joine libération dans occasion fête maman 31 mai 2021 passé là. Chef paquet Okaila profité annoncer création une commission spéciale pour capable pencher sous dossier monde qui dans détention préventive prolongée yo depuis ville Okaila département sud Rosebert Denistan radio pyramide. Merci en pile Rosebert Denistan. Cabinet d'instruction dans le journal lundi 31 mai 2021 secrétaire général à Barreau Port-au-Prince maître Robinson Pierre-Louis. Dans le cadre de dossier la mort ancien bâtonnier Port-au-Prince, M. Montferrier Dorval, qui était mort, assassiné la Kaili 28 août 2021 dans Pèlerin 5. Juge Jean-Renaud Régis a invité 8 personnes dans le dossier ça, parmi eux, Madame Président République là, Martine Moïse. M. Robinson, c'est le premier monde qui tendait dans l'affaire ça. Après auditionné, secrétaire barreau Port-au-Prince fait connaître que commissaire gouvernement Port-au-Prince a reçu ordonnance depuis 24 mai passé. Cependant, il n'a pas fait suivi dossier côté le pas jamais voyé aucune citation by Pierce Moon. Maître Robinson Pierre-Louis déclaré c'est parce qu'il s'est intéressé qui fait le venir dans tribunal là, mais il pas jamais reçu citation dans main commissaire gouvernement Port-au-Prince. Nous allons inviter dans les déclarations M. Robinson Pierre-Louis. Moi, ça, je demande pour quelques personnalités présentées devant nous, suivant l'ordre qu'il établit, et il paraît que c'est mon premier jour qui se joue dire. Donc, de 31 à 21, moi, je suis capable là, c'est la période qui établit pour vous tout le monde. Mais c'est avec. Après tristesse, tout en plus, ça va bien. C'est vrai, nous l'aller, nous attendons parce que nous déconnons droit et il était disposé à faire ça parce qu'il voulait travailler et nous féliciter le gouvernement. Sauf que, il y a, commissaire gouvernement recevoir ordonnance depuis le 24, depuis les juges dans l'année, commissaire gouvernement n'a pas fait suivi au article 79 de la ligne claire, ils disent, juge à non-ordonnance, il voyait le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement, cité Mounio à Comaille. Jusqu'à présent, le commissaire gouvernement n'a pas aucune citation par personne. Moi-même, je suis fini parce que je ne suis pas intéressé, je ne suis pas civil, c'est Baroua, nous avons intérêt dans ce cas-là, nous voulons Baroua avancer. Mais le commissaire gouvernement n'a pas aucun intérêt, et je dis ça publiquement, et je dis à tout le monde que le commissaire gouvernement n'a pas aucun suivi avec ordonnance que le juge d'instruction rend pour nous de comparer. Donc alors que je dis à mes supposés droits, je ne vais jamais recevoir. Et ça fait toujours parler avec les journalistes, je me dis, je ne vais recevoir rien jusqu'à date. Et jusqu'à présent, je me soutiens dans la cabinet d'institution, je ne vais pas recevoir rien. Mais est-ce que c'est la volonté pour venir?
moi je viens avec volonté parce que je suis parti intéressé. Comme de fait, moi je dis c'est parti civil, c'est parti barois, c'est parti civil. Mais est-ce que pas vos problèmes dans l'égalité ou disons là, puisque pas qu'il y a pas posé? Pas qu'il n'y a pas sous cette invitation du juge s'il te plaît. Mais comme la loi dit c'est pas citation, et le juge a lui-même dit obligation pour l'obéir à ça la loi dit, donc il fait. Pour nous, le juge lui-même, il qu'il doit décider par la dette. Il dit qu'elle a décidé. Et comme de fait, on pensait que il y a un droit pour décider de donner l'autre monde, tant que le commissaire gouvernement parle de la responsable. Oui, moi, je t'en déposé samedi que je me dis, et puis bon, voilà. Mais est-ce que si parquet en retour, il dit pas le tour de la position là? Parquet va gagner pour le auditeur. Nous soutenons les déclarations, Maître Robinson Pierre-Louis. Ancien député commune Léogane dans le département l'Ouest pays en mettant Jean Danton Léger qui engagé dans une bataille opposition à mener contre référendum. Non? Ancien chef paquet Port-au-Prince menacé utiliser manchette et l'autre stratégie pour craser référendum dans la ville Léogane 27 juin qui vient là. Mais Jean Danton Léger fait qu'on est moment zam dialectique l'an fini qu'on est là, c'est dialectique des armes qui doit appliquer pour forcer président République l'an Jovenel Moïse à quitter palais national là. Nous allons inviter autant de déclarations, Maître Jean Danton Léger. Objectif, nous, c'est craser à faire référendum, non? Puisque le mot d'ordre de la journée aujourd'hui, c'est fermer le bureau référendum, c'est craser, c'est mettre du fait là-dedans, parce que si je mets du fait, si je mets bouton, si je mets ma ligne, bon, c'est l'heure arrivé pour que nous fassions Jovenel Moïse connaître, que nous ne pouvons pas brasser avec encore, que nous ne pouvons pas jouer avec encore, et manchette où est-ce que nous oui, c'est bon manchette qui est au c'est toujours l'âme de la dialectique nous-mêmes n'a pas utilisé parce que nous étions des pacifistes, nous étions des pacifiques dans l'opposition, nous étions des non-violents. Mais nous rendons compte que nous faisons pile manifestation pacifique, nous rendons compte que nous-mêmes nous devons faire payer l'ordre, nous rendons compte que l'âme de la dialectique n'a pas pu porter les fruits escomptés. Et quand l'âme de la dialectique ne porte pas les fruits escomptés, il faut que l'âme de la dialectique soit transformée à la dialectique des armes. Mais étant donné que nous-mêmes, nous n'avons pas des armes, c'est manchette nous gagnons, c'est poids gratter nous gagnons, c'est de l'eau mort nous gagnons, c'est prier ses bâtons nous gagnons, c'est au cimetière nous gagnons. C'est tout ça, on a travaillé pour nous, on a brûlé pour nous, pour nous foutre le dehors sur pouvoir. Je vais se qualifier, au contraire, je vais bien présenter manchette, parce que manchette est débord au filet. Il y a des gens qui pensent qu'elle est son seul bord. Pour les gens qui critiquent, qui croient que nous faisons violence, je vais faire à cette réflexion profonde de Claudie Donnet. Claudie Donnet qui pensait que la justice populaire est sans juridiction. Malheur au gouvernement qui incite le peuple à se venger de la violence d'État. Pour aller violence que ça a fait pour nous, en article 239, un décret électoral qui ouait et qu'on élection qui est organisée pour M. Moïse vider ce pouvoir qui est mandat. Et on a arrêté présidentiel 30 mars 2016. Nous, mon conseil électoral provisoire, qui dit clairement dans une considération que c'est CEP ça a monté à son CEP qui l'a pour poursuivre une élection qui a commencé depuis l'année 2015. Nous gagnons le fameux accord du 4 février 2016 entre le président sortant à l'ordre, le justicier Martelly et l'Assemblée nationale. Et nous gagnons l'article 34 de la Constitution qui dit que 7 février 2021, mandat fini. Malgré que, où qu'on est mandat fini, Constitution, t'es prêté serment, c'est lui-même qui est toujours en vigueur, ou persiste au signé, ou été, eh bien, sans faire à s'allier. C'est pas violence liée. Si manchette qui ne dégagne pas rien, devant violence d'État, ça caractérise que n'est-ce a fait. Lorsque, par exemple, mandat fini, ou été sous pouvoir, et puis c'est déjà doit faire, on continue de jouer les constitutions. Article 282, 283, 284 dit que, mais qui genre, Constitution capable de changer. Nous sommes dans les déclarations, Maître Jean Danton Léger. Quelques jours après, Maître Jean Danton Léger était fini à déclarer que le gouvernement en défi pour installer le bureau vote référendum dans Léogane, pendant qu'il était opposé catégoriquement à projet ça que le président Jovenel Moïse gagnait, elle était même menacée, incendiée, elle était invitée population pour faire même bagarre avec elle.
après déclaration ça, côté il a annoncé qu'il a utilisé manchette li, commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince là sous instigation, une vidéo côté il t'a regardé un groupe individu qui t'a metté gros manchette en dehors, montrer que il pral saboter référendum qui prévoit pour 27 juin, ça va prendre temps pour ancien chef paquet capital là, mettre Jean de Télégé t'a trouvé là dans tout. C'est comme ça, et gagné commissaire gouvernement Tigouavlan, M. Jean-Emmanuel René, qui invité M. Jean Dottolégé pour ta venir dans le paquet juridiction Tigouavla, vendredi 4 juin cap vin là, depuis ta fait 10 heures du matin. Invitation, ça, que M. Jean Dottolégé joignant, c'est pour le capable bailler explication sur vidéo, ça, cap courir dans tous les réseaux sociaux, cap montrer quantité manchette qu'elle t'a distribué by moun nan le Ogan. N'a pas appelé que mettre d'autant léger, pas seul monde qui était menacé, saboté et même mettre diffé dans le bureau, puisque il y a un président du Sénat République, là, Joseph Lambert, lui-même, avant de faire déclaration, si là. N'a pas arrêté dans sa guépou avec un dossier référendum, non? Gagné maître Reginald Michelin qui c'est un avocat militant dans Barouville Gonaïve qui fait connait question référendum en cap paléa, c'est une diversion président Jovenel Moïse a fait pour arriver 7 février 2022. Maître Reginald Michelin quoi causer référendum cap paléa pas faisable côté li prend constitution 1947 là qui interdit causer ça, mais ça cap paléa ces affaires yon apprenti dictateur. Maître Reginald Michelin déclaré ouvertement li pas pour question référendum ça. En tant que déclaration, M. Reginald Michelin. Question de référendum en partant par rapport avec un changement de constitution, une nouvelle constitution. Pour moi-même personnellement, moi, c'est une diversion, la grande diversion pour permettre à président Jovenel lui-même pour le capable de arriver à quinquennal. C'est-à-dire pour arriver à 50 ans, faire un pile par un pile, et puis, vrai objectif lui-même pour l'atteindre. La question du référendum, est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il n'est pas faisable? Au regard de la constitution de 29 mars 1987, c'est formellement interdit de changer la constitution par voie référendaire. Mais cependant, l'on a apprenti de dictature, ou bon apprenti dictateur, qu'on a pas ou besoin de bagaille qui est un élément clé, qui est le rapport de force. En politique, le rapport de force compte beaucoup. Le rapport de force et le momentum. Le momentum, le rapport de force. Qu'on y a six pouvoirs par rapport avec monde qui en face, par rapport avec société ça qui démissionne, qui pas éduqué, qui pas comprend rien. Nous pas qu'à courir dire ni Will Kassel ni non pas qu'à faire ce rapport de force. Palio, parce que jusqu'à présent, le rapport de force où est Michel même l'a marqué le pas. Parce que le pas grand adversaire politique, il pas grand opposition vraiment formelle qui en face qui a contourné ça l'affaire, qui a détourné dans toute attention. Et la vraie solution pour le trouver dans mes peuples là, comme grand monde toujours dit, c'est les joueurs arrivent à quoi ça cap fait à ça pas fait. Parce que grand pile gros parole qui a parlé, grand pile gros causé qui dit, eh bien il ne reste que d'attendre. Gagné gros réaction qui sorti, gagné beaucoup de opposition qui commence à faire distribution manchette. Avec le monde constaté le finissement week-end dans Léogane. Gagné ministre intérieur ensemble avec ministre Aïssissa qui est décidé fort référendum dans fait quand même. Dans ce sens, est-ce que nous croyons qu'arrivé non capable, ça capable de déboucher son guerre ou bien une bataille dans la société? Alors, Haïti, par rapport avec question de changement de constitution, ça, qui ouvre le fait par envoi de par référendum, nan, 27 juin qui a venu là. Haïti, son pays, je ne parle pas comme un pays ordinaire. Haïti est un pays extraordinaire. Actuellement, on a vivre là toutes choses possibles. Toutes bagailles qu'a fait. Les matins, ils ont pris le pouvoir, nous dégardons, ils n'ont pas même quatrième dans l'élection. Mais avec tous les moyens et avec l'appui de la communauté internationale, où est tout ça qui est fait, finalement, Matéli est arrivé au pouvoir. Avec ce même couloir, où est Jovenel. Eh bien, qui frappe par l'épée, paiera par l'épée. Si c'est avec manchette, couteau, bataille, yo te fait zam pour yo te prendre pouvoir. Eh bien, si c'est bataille, zam, peuple là prend tout, manchette, achapika, tout ça au gain pour contourner Jovenel, l'attention, toute chose possible. Moi, je ne dois pas appuyer, désordre là. Mais si c'est la grande majorité qui voulait désordre là, moi, je suis trop petit pour m'en faciliter. Je ne dois pas vous référendum.
Moi-même, personnellement, au regard de la loi, je ne suis pas pour référendum. Nous soutenons les déclarations, maître Reginald Michelin. Secteur démocratique, là, acte populaire, en tête collée, acte diverses structures politiques, acte qu'on m'opode dérapé, acte qu'on viron depuis vendredi passé, dans quelques communes, dans le département l'Ouest, là. Objectif environ ça, c'est pour capable sensibiliser population, pour montrer importance qui gagne pour combattre un référendum, là. N'a pas signalé, dans un rassemblement qui était fait dans la communauté Guavlan, militants y ont créé un pile désordre d'un côté, ont été reprochés, dirigeants dans l'opposition, qui pas te mettre au courant de l'activité ça, mais finalement, ils ont été entendus. Maître Michel, qui se porte-parole secteur démocratique et populaire, dans l'intervention, dit comprendre la frustration militant, yo. Il saluait intelligence, parce que malgré ça qui passait, yo montré, yo pas dans dossier référendum. Maître Michel, mandé moun ti guava, à kres moun ki nan guava et léogan, pour craser référendum 27 juin kap vini là. Nous allons inviter autant de déclarations, maître André Michel. Nous sentons une pile frustration. Le cercle de passé là a montré le peuple très intelligent. Dans le premier temps, il y a eu pas de question de réunion à faire parce qu'il n'y a pas au courant. Il y a eu parler avec nous. Il y a dit attention, nous dans l'opposition, nous c'est militants opposition. Nous avons campé la réunion parce que on a une planification qui n'est pas faite. Mais attention, nous ne pouvons pas craser la réunion. Hein. Parce que si la réunion a crasé, c'est PHTK qui va le fêter. Si la réunion a crasé, c'est Jovenel Moïse qui va le fêter. Si la réunion a crasé, c'est partisan référendum qui va le champagne. Monsieur intelligent, je dis monsieur, n'a fait yo, n'est pas 6, chita, pour réunion en finie, et bye peuple petit boive la message là. Bye peuple miragouane dans le message là. Bah, le peuple grand voit la message là. Ça relève un peuple qui est intelligent. Il connaît. Militaires, vous connaissez eux-mêmes qui ont force là-dedans. Ils ont une frustration. Après la conférence, ça, nous allons parler avec eux pour nous gérer la frustration. Cependant, vous avez un vrai engagement. Question référendum, non. Il y a placé le flat à tête dans le Tigouave. Pas qu'un référendum qui a fait Tigouave. Pas qu'un référendum qui a fait grand voie. Pas de référendum qui a fait Miragouane. Pas de référendum qui a fait aucun côté dans le pays. Maudot la Claire, Jovenel Moïse, massacré mon La Saline, Belle Cité Soleil. Yo massacré militants dans tout le pays, militants Tigouave, militants Grand-Gouave. Yo touye moun, yo volé tout comme pays. Yo augmenté misère peuple. Je dis, yo besoin faire une constitution. Pour la justice pas juger eux parce qu'ils ont assassiné le peuple là, ils ont besoin de faire une constitution pour la justice pas juger eux parce qu'ils ont volé tout le pays. Le mot d'ordre est clair. Référendum non, n'a pas crasé le pas en pas. Le mot d'ordre là, c'est crasé référendum non, plat à tête. Depuis on bagaille, marqué référendum, crasé. Depuis le monde vient faire réunion, bon, ici, l'idée, c'est référendum, crasé. N'a crasé référendum non, pas en pas. Nous soutenons les déclarations, maître André Michel. N'a toujours été dans sa guimpo avec un dossier référendum, non? Pour ancien député Ville Gonaïve, là, Sadrak, Dieudonné, dans Mokrena, référendum qui prévoit pour fête, là, c'est tout simplement pour capable permettre régime PHTK était sous pouvoir et pour protéger les dirigeants Lyon, l'Elta qui était pouvoir. Pasteur Sadrak a dédonné, mandé population, pour continuer à mobiliser, pour capable camper en quoi contre le projet si là. En temps de déclaration, ancien député commune Gonaïvlan, pasteur Sadrak Dieudonné. Mokrena a préparé un document d'analyse du projet du changement de la constitution de 1987 par le pouvoir en place. De telle sorte que nous faisons un travail didactique, un travail pédagogique. Référendum constitutionnel Jovenel Moïse, qui sont président de facto, c'est un projet qui tient à lui-même en pile. Yo voulez coûte que coûte renouveler tête yo au pouvoir, de telle sorte que yo capable d'aider en certaine garantie, sécurité, il n'y a pas traîné dans le tribunal, traîné la justice. Comme ça, coûte que coûte, il veut organiser l'élection. Or, référendum constitutionnel là, c'est préalable lié pour eux-mêmes à l'organisation des élections. Et obstacle là, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est le peuple là qui pour empêcher que référendum soit organisé. Tous les Haïtiens de bonne volonté, besoin unis pour nous faire échec. À projet ça, monsieur dame ça, qui, le conseil électoral illégal ça, la faire songer que vous pas prêtez serment, de telle sorte que, à
qui a posé, action qui a entrepris, yo nul et non avenu. Et un jour, il y a bien des juges pour usurpation de titre. Même genre, président Jovenel Moïse, toute personnalité qui est alliée avec lui, yo tout y a gagné pour yon rendre compte pour ça qu'il a fait des gars. Nous soutenons les déclarations vice-président Mokrena, pasteur Sadrak Dieudonné, ancien sénateur département de l'Ouest, Steven Benoît, organisation Entente Nationale pour une transition coupée fâchée, réagit aux déclarations ministre assistant Okfele Vincent, qui fait, côté le déclaré, il n'a pas gagné aucune légitimité pour l'adresser à la population, pendant le qualifier comme un monde qui prend tout le temps qui pas pour lui. Ancien sénateur l'Ouest parlait de détermination, il gagne pour le capable de permettre toute disposition qui prend même disposition, mais c'est disposition qui pas violent pour craser, causer référendum dans un jour qui vient là. En temps de déclaration, ancien sénateur département de l'Ouest, Steven Benoît. Monsieur Rockefeller Vincent, à tout l'autre ministre et premier ministre, ce sont des mots illégaux, ils n'ont pas passé devant le Parlement. Donc, nous-mêmes, officiellement, nous ne reconnaissons pas. C'est usurpateur de type Mounzaoué. Et un jour, si il y a une vraie transition coupée fâchée, allez, monsieur Jovenel Moïse, allez, il y a une sanction pour Mounzaoué et eux-mêmes qui ont signé arrêté avec décret sur le référendum. Et membres CCIO, cinq membres qui sont des juristes. Cap violer constitution pays qu'on est affaire illégal et inconstitutionnel et membre 8 membres CEP tout. Donc nous même nous dit monsieur Rockefeller Vincent, seul pouvoir gain c'est le pouvoir des armes, comme li gain zam, li gain l'armée, li gain la police, li gain BSAP, li gain gang avec pouvoir cap supporter. Mais monsieur Rockefeller Vincent pas gain aucune légitimité, pas gain aucun droit et pour la même adresser à la population, cette population pas reconnaître mon jaio. Pour nous, monsieur pas ministre, c'est un usurpateur de type, malheureusement, qui n'a tête un ministre aussi important que le ministère de la Justice. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître M. Vincent. Et c'est très clair, pour mon chef de gouvernement ou membre de gouvernement, il faut passer à travers une feuille de route, à travers des déclarations, et pour le faire devant le Parlement. Nous-mêmes, notre tradition groupe Machia, nous pas dans la violence. Il y a des gens qui critiquent nous, mais nous n'avons pas de problème. Nous-mêmes, c'est une bataille de non-violence qu'on fait. Mais tout moyen, autre moyen qui pas violence que nous capable mettre pour nous faire un Jovenel Moïse quitter pouvoir, deux pour empêcher et de fait il pas fait référendum pour empêcher référendum de fait, deux trois pour empêcher élection bidon Jovenel Moïse faire pour l'année passer Michel Martelly pouvoir, nous même on apprend au niveau de l'entente nationale pour élection et pour transition coupée fâchée là, on apprend toute disposition non violente pour empêcher ça fait. Et que c'est pas les gens internationales, que c'est bloqué, tout ça pour bloquer, sans violence. Nous maintenant, nous clair sur ça. On a pris toute disposition non violente pour nous empêcher Jovenel Moïse continuer pousser Haïti dans abîme pour de la pousser le descendre. Nous soutenons les déclarations ancien sénateur département de l'Ouest, Steven Benoît. N'a pas entré dans sa gueule pour avec un dossier agriculture. Syndicat planté victime dans la Tibonite SPVDA qui était en base dans la Tibonite là, mette campé. Journée samedi 29 mai 2021. Il y a une cellule dans la ville à Gonaïve dans l'idée pour continuer à faire des revendications. Coordonnateur Célila, dans la Tibonite, là, agronome Pascal Semé, t'es profité, énuméré, quelques problèmes paysans, yo, a fait face à ta coup problème de l'eau, route agricole, accès, sans paysans, yo, pas capable de joindre pour travailler la terre. Nous parlons vite autant des déclarations, agronome Pascal Semé, dans mes collaborateurs, non, Wallen Sully. Je dis que c'est un gros jour pour toute planteur victime qui dans le département de la Tibonite, là, fait connaissance à syndicat, ça, qui c'est SPVDA, syndicat planté victime développement de la Tibonite. Les n'a regardé comment agriculture a fin de gangoler dans pays a nous même dans département la Tibonite côté paysan yo lagué en yo même pas gagné aucun encadrement. Les n'a regardé comment planté yo victime dans wo a Tibonite côté que pas gagné banque agricole, yo pas gagné coopérative agricole, pas gagné aucune subvention nan produit intrant agricole yo. C'est autorité locale yo pas fait travail yo. Chaque représentant ou bien chaque coordonnateur dans chaque commune qui fait partie syndicat du Rô de la Tibonite, là nous prend Saint-Michel, nous prend Marmelade, nous prend Henry, nous prend Anse-Rouge, nous prenons Gros Monde, nous prenons Ténèves, nous prenons Gonaïve. Ensemble de problèmes, ça y est, paysans à confronter. Journée jodia, nous charrier revendication ça y est,
nous vin pote yo sou table la. Et nous connaissons SPV Daba Tibonite et Duro Tibonite pour le fond seul pour permettre cri ça problème ça yo rive dans oreille en tête l'état capable porter aider nous vin porter solution avec planter ça yo. Nous sont tenir déclaration agronome Pascal Semé Charles René qui c'est coordonnateur SPVDA dans Balatibonite là dans intervention il déclarer tout moyen paysan ou te doit joindre pour faire agriculture autorité qui dans pouvoir central yo préféré distribuer yo à quatre amis yo. Coordonnateur SPVDA al plus loin pour dire une problème paysan yo gain c'est parce que yo gain trop association qui pas utile yo rien et c'est ça qui la cause yo mettait campé yo syndicat pour capable défendre intérêt yo dans vallée là. En tant que déclaration Charles René qui est coordonnateur SPVDA dans Balatibonite là. Jodi a agriculture dans département Latibonite il y a dégraba. Est-ce qu'il possible pour venir avec conséquence pour aller au Latibonite pour tel bailler directeur départemental, c'est rester nous tout rester dans commune pas contre côté pour faire. Est-ce qu'il possible pour conséquence pour son on mon bon de la présidence pour joindre qui pour faire ou joindre une petite semence jury. Il pas possible. Je dis à me dire, département Latibonite, il y a 4000 associations. Je me dis, le plus de stations radio, et nous faisons pile, nous faisons pile de bateaux, 4000 associations. Syndicat SPVD a dit, ça finit. Pour être directeur général du département Latibonite, il faut que tu consultes nous. Yo pas qu'à on n'est pas qu'à dès que lève le matin ou on est cap travail 15 ans comme agronome de direction départementale agricole cap bail service qui est compétent pour qui résout pas qu'à directeur départemental ou pas jamais avancer si c'était comme ça je dis à nous dire que pour le directeur général de l'ODVA faut nous consulter avec nous mêmes syndicalistes parce que c'est nous qui sommes dans le secteur, c'est nous pour qu'on ait qui directeur cap bon pour nous, c'est pour un directeur de Chita Petroville, c'est pour un qui est à la Caroline Sud qui est pas qu'on a rien en termes d'agriculture. Il faut qu'il y ait d'expérience dans Valère. Je dis à nous dire, ça finit. Pour qu'il sente le syndicat fort. Pour qu'il sente que planter avec nous. Pour qui ça? Pour paysan Saint-Michel Bacajon. Pour qu'il y ait directeur départemental à l'agriculture là, pour pas une semence. Nous soutenons les déclarations Charles René, qui est coordonnateur SPVDA dans Balatibonite là. Jordani Anelis, qui est coordonnateur en appui organisation citoyenne dans l'OTA Haïti, au CNH, pour continuer la bataille, ancien coordonnateur Kevin Saint-Jean-Pierre, tape fait dans la communauté pour changer complètement le pays d'Haïti. En temps de déclaration, Jordani Anelis. OSEN décide, les papes, j'en fais bac, n'a réitéré engagement OSEN à travers positionner bataille en faveur du peuple haïtien. Mais bataille, mais du côté moun ki plus vulnérable, parce que ça c'est un engagement au sein gagnant, et bien lui-même, et bien pour dire que Jean Pays sa bralé, et bien sous aucune forme, pas que aucun membre au sein, et bien cap croiser main yo, parce que nous dit que pays nous pas qu'à vivre l'autre côté, parce que nous c'est haïtien, c'est Haïti qui réservé pour nous vivre. Quel que soit ta gomme bandan au sein ou bien un citoyen haïtien qu'à visiter ton pays. Il n'y a pas qu'à arrêter l'autre bois parce que c'est Haïti qui fait pour le vivre. Dans ce sens, nous même dans la OSEN, nous dit que Kevin, qui c'est numéro 1 équipe Sajodia qui tombe, nous dit que si c'est un monde qui élimine Kevin, il faut que nous avons commencé à nicher pour être crayon pour aller tuer plusieurs mounes dans la OSEN. Et ça fait tout le monde dans la OSEN, il dit que yo pas baisser les bras, yo tout a pris engagement en main pour continuer à faire. Rêve Kevin Stegen en dans tête au Sénat, et bien pour continuer à faire rêve ça, réaliser. Donc, encore une fois, au Sénat dit que, quel que soit côté mouvement, et bien, n'a pas campé pour nous revendiquer, et bien, cause moun ki pi mal yo. Quel que soit sa gagné, quand il s'agit d'intérêt Semak, et bien, il s'agit d'intérêt pays d'Haïti, et bien, au Sénat dit, il pas fait bac, et bien, n'a pas continué bataille contre pouvoir peser sous César, contre régime PHTK qui kidnappé. Eh bien, palais national, pendant que le mandat finit, depuis 7 février 2021, nous dit que pouvoir de facto ça, eh bien, nous pas baisser les bras, nous continuer la bataille pour nous-mêmes, eh bien, qui c'est membre au Seigneur, qui c'est peuple haïtien, eh bien, pour nous avoir une vie qui est heureuse dans le pays. Ça. Donc, nous pensons, encore une fois, nous remercions la presse, eh bien, je dis, eh bien, qui d'accord fait déplacement, eh bien, nous pas bien corps pour nous payer pour ça. Mais je dis à vous comprendre nécessité et bien pour bataille qu'a mené à travers pays là nouvelle Haïti qui au sein rêvé là et bien il est possible et il est pas jamais possible avec des citoyens de l'autre pays que citoyens haïtiens. Nous sommes dans les déclarations Jordani Anilis.
N'a pas été dans ce qui est avec visite organisation américaine OEA pour le faire dans le pays d'Haïti dans le mois de juin. Il y a un dirigeant matrice en libération, Antonio Cherami, lui-même qui pas d'accord avec mission ça. OEA qui est rentré dans le pays, il a annoncé formation politique liant pas pour répondre à l'invitation qui est capable de faire avec parti liant pour rencontrer émissaire OEA. Yo. Antonio Cherami, alias Don Kato, estime communauté internationale là, même Jean Aka OEA, contribué dans la situation pays d'Haïti trouvé le journée aujourd'hui. Hein. Il a encouragé plutôt force progressiste pour pas recevoir délégation OEA. En tant que déclaration ancien sénateur département de l'Ouest, Antonio Cherami. Bon, il y a un bagage que nous-mêmes au niveau matrice, nous toujours encouragé, c'est assurer nous que sortie de crise ça, c'est nous-mêmes haïtiens qui chita ensemble pour nous connaître qui j'en a sorti dans sa noyé. Nous connaissons, nous prenons faux oué à déjà en d'un pays. Et nous connaissons qui rôle international a joué dans mener crise là côté lié là. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui me permettent que pouvoir PHTK là depuis 10 ans. Nous connaissons pas jamais démarquer au du quantité crime, quantité violence PHTK fait sous population. Hein. Nous-mêmes, nous priorisons entre nous-mêmes en d'un pays, hein. Pas en tant que pouvoir avec opposition. Je parle de toute force progressiste et sous base ça, moi-même, t'as encouragé tout groupe politique, toute structure, toutes outils politiques qui agit en d'un pays, hein. Éviter à l'enchita avec OEA pour continuer passer pays à la bêtise, pour continuer imposer ça et ouvrir, pour continuer passer nous-mêmes cap goumen la bêtise. Moi-même, elle, non pas le peuple a menti que nous pouvons l'enchita avec OEA. Moi-même, position toujours claire. Solution, c'est pas y monde pour qui pote le banou et c'est pas monde pour qui vienne banou l'autre parce que ça n'a pas vivre aujourd'hui. OEA impliqué là-dedans tout. Faut que nous pas oublier tout. Ça n'a vivre aujourd'hui. Il y a des bagailles qui n'ont pas jamais pardonné nous. Monde que nous y est aujourd'hui, peuple que nous y est aujourd'hui. Faut ne pas oublier ça, il fait nous passer. OEA, c'est en bas de toute bagaille, ça, toujours, il va Haïti. C'est en bas de OEA, il vole l'argent plutôt caribé. C'est en bas de OEA, l'argent CIRH l'a mangé. Et où aujourd'hui, il n'y a pas de volonté pour ce plutôt caribé. En fait, pour qui ça, c'est parce qu'on connaît automatiquement nous qu'arriver sous CIRH là, il faut que nous arrivions. Tout ça, c'est des bagailles que moi-même, je pensais. Alchita avec OEA, Almete tête avec OEA, c'est encore une fois qu'un bécis. Non, parce qu'il n'a pas parlé de changement de système, n'a pas parlé de transition coupée fâchée. Transition coupée fâchée, c'est pas une solution que de sortir dans le blanc. C'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui doit chita. Et sous base là, nous-mêmes, n'a boudé toute rencontre avec OEA et nous inviter l'autre structure tout, pas à rentrer dans aucun piège OEA. Parce que OEA, pour nous, sont l'aile PHTK dans l'international là, qui a manipulé et ça qui a fait en Haïti. Et aujourd'hui, il y a fini. Yo déjà connaît qui ça a bien fait. Nous clairs que Mounsayo pas gagné au capoté plus que détruit pays d'Haïti plus mal que j'en dis. Nous entendons déclaration ancien sénateur département l'Ouest là Antonio Cherami. En tant que national là, pour une transition coupée fâchée dit li pas écarté possibilité pour participer dans une possible rencontre ensemble avec mission OEA qui vient pour entrer dans le pays hein. D'après sa responsable Steven Benoît qui fait connaître ça pral dépendre tout sur sujet qui pral aborder. En tant que pour transition coupée fâchée, il n'a pas participé dans aucun dialogue avec le président Jovenel Moïse, ni tout avec discussion sur élection avec l'équipe qui est au pouvoir. En tant que déclaration, ancien sénateur département de l'Ouest, Steven Benoît. Nous-mêmes, nous pas écrit OEA pour nous demander ni médiation ni dialogue. Nous apprenons que OEA, à travers certains ambassadeurs, amis Haïti, comme M. Ronald Sanders, et de mettre Haïti à l'ordre du jour dans une rencontre, ils ont décidé qu'il y avait une mission de 5 membres en Haïti, ou un petit de 6 membres, parce que M. Almagro a bien représentant tout. Nous-mêmes, dans le tête national, vous devez se couper fâché. Si on invite nous, dépendamment de sujet qui à l'ordre du jour là, n'a pas connu si pour nous répondre, si pour ne pas répondre. Si c'est globalement de nous pour nous faire dialogue avec Jovenel Moïse, nous-mêmes réponse nous guettons non. Si c'est pour nous une élection avec Jovenel Moïse, réponse nous guettons non. Surtout pas pour nous supporter le référendum Jovenel Moïse qui est illégal et inconstitutionnel. Donc nous-mêmes, non, position nous déjà plus ou moins claire, mais comme nous n'avons pas d'invitation, ou du moins nous n'avons pas d'invitation, nous-mêmes, dans la tête nationale pour transition coupée fâchée, nous avons éventuellement une invitation, si nous avons nous, et à partir de ça, nous avons pris une décision qui est imposée. Comme je dis, c'est un fact-finding émission, son mission est de lancer deux renseignements. Ça, nous avons répété dans la radio ou dans la correspondance que nous faisons, nous avons
peut-être bayo même une lettre qui parle explicite position internationale pour trahison coupe fascia pour dire 1 2 3 4 Jovenel de une opportunité pour que faire élection avec une majorité écrasante dans chambre en 2017 en 2019 et en 2020 j'ai consommé demandé de la parfelle Jovenel Moïse de gagner s'il devait faire amendement constitution légalement il était une majorité écrasante dans chambre député national parfelle qu'on a ça empêcher faire là constitution interdite et n'a dit pour mandat fini et n'a expliqué que Jovenel Moïse fédéré bien même une vingtaine de gangs à travers le pays a capturé, kidnappé, violé en toute impunité. Pour ce nous déjà li clair nous même sous crisal sans équivoque, mandat Jovenel Moïse fini, même Jean mandat PAM te fini pendant que pas fait 6 ans, même Jean mandat sénateur là toi tu te cité fini sans pas fait 6 ans. Même Jean, sénateur Moïse Jean-Charles, était perdu 9 mois dans le mandat 6 ans. Là. Même Jean-Michel Mantelli était perdu 3 mois ou 4 mois dans le mandat par là. Et bien Jovenel Moïse gagné pour constater, même Jean de faire l'année passée, que le mandat fini. Nous sommes des déclarations ancien sénateur département de l'Ouest, Steven Benoît. Nous avons dans sa gueule avec un dossier éducation. L'école privée yo mandé président Jovenel Moïse à tout ministre éducation nationale là Pierre José Agenor Cadet pour bailler l'argent subvention yo té promettre pendant période coronavirus là. Professeur Sayo accompagné de professeur Psigoyo pour nek qui mandé solidarité toute l'école la publique yo dans département Nord-Ouest voye Yopinga bail régime en place là pour dire si toutefois yo pas ta joindre l'argent subvention ça affaire référendum Champrel le président Jovenel Moïse a poné à travers pays pas capable fait dans département Nord-Ouest alors que maman loi pays déjà campé en quoi contre lui les pas passé dans département particulièrement moun kap vive dans commune Bassemblé. Plus de détails à correspondant nous, Sergent Whiskis, depuis le département Nord-Ouest pays. Dans une rencontre avec la presse, journée lundi 31 mai 2021, ça, professeur l'école privée dans la commune Bassemblé, mélangé avec professeur Ponek Apsugo, réclamé une autre fois encore l'agent subvention, régime de facto en te promettre pendant période maladie corona. Professeur ça, qui était vraiment encore les journées ça, voyons mise en garde par le président de facto, M. Jovenel Moïse, avec tout ministre de l'Éducation nationale, M. Pierre Josué, Agenor Cadet, pour dire si toutefois, il n'y a pas joué une COP subvention, ça, qui c'est pas un cadeau, conseil référendum, Champrel Jovenel Moïse, avec toute équipe PHTK, à entreprendre à travers le pays d'Haïti, à continuer à faire échec dans le Nord-Ouest, particulièrement dans la commune Bassembré, pendant qu'il demande solidarité à toute l'école publique dans le département Nord-Ouest, pour s'arriver à faire pouvoir de facto ça, respecter parole, li, ensuite faire échec. À référendum tête chat lion. Côté comment bien standé. 2020, nous t'avons fermé l'école avec deux cas, nous t'avons dit c'est deux cas nous t'avons enregistré. Les nous venons ouvrir avec 2 000 cas. Nous t'avons dit toute l'école privée, nous t'avons fermé, nous avons subventionné. Nous pas jamais fait ça. L'État n'a pas gagné volonté pour le faire rien. L'État n'a pas une volonté pour faire rien. Et nous même tendons l'État à parler de questions qu'on a encore. Ça dit même Pimpette là, pour arriver là encore. Eh bien nous-mêmes, nous lançons Pingassa, nous-mêmes, directeurs d'école, professeurs, directrices, si nous ne partageons l'argent subvention ça, l'État te promet nous, et c'est pas en faveur, la fin, l'argent est venu, l'État fait ça au connaît, il fait ça au vle, avec l'argent, il oublie, l'école, il te promet, il te fermé, il te fait bon million, yo, sous l'école, yo. Oh, je ne dis pas, nous pas qu'à j'en, yo. Nous, des questions. L'école, il te prend en sigo, yo, l'argent sigo, yo. N'a pas demandé, ministre éducation, président, dégagez-le pour nous bailler l'argent ça. Après ça, nous apprenons que nous dit, nous pourrons parler de référendum dans la date 27 là. Si et seulement si nous pas jouons l'argent, subvention, nous pas jouons l'argent, si goyo, bagay ça, pas de capacité. Nous lancer au pinga by l'école. Publique, pour solider avec l'école privée. Sinon, question référendum, non. Pas passer et la bloquer toute l'école dans
pour le bloquer. C'est quoi ça, nous sommes comme et Corona. Et voilà, t'il nous va dire, je l'ai, je dis à nous demander pressé, pressé pour le président et ministre de l'éducation pour voler comme ça dans le département de l'Ouest. Donc, allez, dans la ville, l'institution est dans le département. Qui dit le nom de l'école qui te sortit, qui s'en va, est-ce qu'il y a un professeur Sao qui était vraiment en colère fini pour dire. Si toutefois, Jovenel Moïse et tout Agenor Cadet pas décidé ba ou l'agent si bon sur ça, qui se paye un cadeau, nan jouk pal vini la yo, yo pal commence passer à l'action, qui se marche bloqué toute l'école privée tant publique à travers département Nord-Ouest. Man. Pas simple, département Nord-Ouest, Saint-Jean-Ouiskis, Pyramide FM. Voilà, et merci avec tout le monde qui te branché pour te cap tende. Des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous sans pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.